j'ai choisi comme trame de départ l'arrivée dans une famille dont il ne l'ignore tout, d'un jeune journaliste politique qui veut épouser la fille de la maison. Et cette jeune femme lui a plus ou moins imposé la rencontre avec sa famille en lui disant « ça ne marchera entre nous que si ma famille t'apprécie ». Donc il va, d'où le titre du livre, « Séduire Isabelle A ». Donc ça a déjà été difficile de séduire Isabelle A. Et maintenant, lorsque le livre commence, il faut qu'il séduise toute la famille d'Isabelle A. Et le livre débute donc dans l'arrivée du couple dans la maison de vacances de cette famille. Et lui pense que ça va être une formalité, des présentations banales, etc. Et il se retrouve immergé dans un monde qui lui est totalement étranger, au milieu d'une famille où ils sont tous plus fous les uns que les autres, de grands fantaisistes, de libres penseurs, de gens qui ne s'imposent rien. Et qui et donc tous ces, il va être obligé de revoir tous ses fondamentaux, particulièrement tout ce qui concerne la rationalité, des explications logiques à tout. Donc il va être obligé de se remettre en question pour pouvoir épouser Isabelle A. J'ai voulu dans ce livre effectivement faire le portrait d'une famille qui ne se déchire pas. C'est-à-dire une famille où on s'aime, tout simplement, où on s'apprécie, où il n'y a pas de cadavres dans les placards, où on se respecte dans sa différence, etc. Mais il y a quand même un deuxième niveau de lecture du livre, dans la mesure où cet homme qui arrive de l'extérieur va quand même affronter un clan. Constitué de gens qui ont quand même une idée de la vie qui n'est pas la sienne. Et à un moment donné, il va se poser la question qui séduit qui ? Est-ce que c'est à eux de me séduire ou à moi de les séduire ? Jusqu'à quel point je peux aller pour intégrer cette famille sans vendre mon âme, en restant moi-même. Et donc là, la tolérance, finalement, elle va être mutuelle. Thank you.